Bonjour, bonjour à tous, c'est Sir le Viking, on se retrouve aujourd'hui sur Planet Zoo pour la suite de cette aventure incroyable. Nous sommes toujours en live Twitch, bonjour à Wolf Grizzly Québec qui vient d'arriver, bonsoir, bonjour. Bonjour Epsilona, Prince, Prince, GTN, Alpha, Leila, Suna, Kirito, etc. Bonjour tout le monde. Enclos Capucin. Enclos Capucin, nous avons amené l'enclos macaque de la zone arctique et nous sommes en train de l'adapter. Parce qu'on aimait bien la terraformation. J'aimais bien la terraformation. On a géré un petit peu le terrain. Bah, il est complètement géré. Débile, et on va pouvoir se lancer inattendu. Sur les arbres. Sur les arbres. Merci beaucoup, Dylan, pour les 20 bits. On va se lancer sur l'environnement, du coup. Parce que lui, il veut bien de la jungle. Hein. Donc, on est parti. Amérique du Nord, Amérique centrale, tropicale, climat tempéré. Nature. Continent. Ah, non, climat tempéré, tropical, continent. Amérique du Nord, Amérique centrale. Parfait. Et maintenant, on va poser tout ça. Maintenant, on va poser tout ça, sachant que... Ah, je vais peut-être mettre des... Pardon, des constructions... Pardon. Des constructions, d'abord. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Sachant que j'ai fini toutes mes recherches. Amérique du Sud, du coup, j'ai toutes les constructions pré-construites. Bon, ça, ce sera pas dans... Ah, oh, j'aime bien ça. Ah, j'aime bien ça. Est-ce que je remplacerai pas du coup éventuellement ça par ça? Oh, oui. Ah là, bah attends, mais je peux le mettre à la limite. Il grimpe sur cet arbre-là? C'est quoi cet arbre-là? On sait ce que c'est cet arbre-là? Non, ils doivent pas grimper. Parce que comme ça, c'est pas si dégueu. Hein. Un capoké. Capoké, c'est escaladable? Capoké. Non, il va y avoir tellement de choix d'arbres, c'est trop bien quoi. Capoké. C'est pas escaladable. Bon, du coup, je vais supprimer ça. Ouais, non. Ah ouais, c'est ça qu'il faut faire ça. Tac. Non. Non. Bah attends, je clique là. Heureusement que vous faites pas des FPS. Hein. Je clique là. Je clique pas sur le tronc d'arbre. Bon, hein. Parfait. Construction. En même temps, est-ce que je le mets là, quoi? Parce que ça fait un peu haut. À la limite, je pourrais peut-être plus venir le coller par ici, quoi. Voir là. Voir là. Ah, peut-être ici. Ce qui leur donnerait potentiellement un accès à la cabane en haut, en mettant juste, bah juste ce qu'il faut, quoi. Ça gêne pas la route. Je pense que je vais le mettre là. Je pense que je vais le mettre là. Je vais le mettre là. La question c'est parce que tout est en marron, est-ce que ici... Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre en bambou. Hein. Je vais mettre en bambou. Hein. Y a pas des trucs préconstruits? Non, ça va être un peu chiant. Si, c'est bon. Demi-mur? Ah non, demi-mur, c'est pas bon. Demi-mur non plus. Sol. Sol, c'est ça qu'il me faut. Sol. Sol. Toi et sol. Sol ici. Sol là. Là. C'est grand, hein. C'est pas si grand. Mais c'est quoi d'habitude? Il n'y a pas... Si j'enlève ça, là. Il n'y a pas les deux... Les, toi plat et sol. Quand j'ai fait mon pont, c'est avec de la construction simple. Je sais plus.
Attendez, je vais poser mon pont, je m'en rappelle plus. Bah non, je vais pas poser mon pont, puisqu'il est posé. Je vais aller voir. Caméra. Caméra qui bug un peu. Ah, je suis caméra. Ah, un caméra qui a un peu de mal. C'est quoi ça, là? Non, c'est pas ce que je voulais faire du tout. Plateforme escaladable. Ah ouais, bah oui, c'est là, du coup. Non, c'est pas là. C'est si, systématiquement c'est là. Débile, mais c'est toujours inattendu. Plateforme escaladable. Utilisation? Non. Ah merde, c'est où? Je me rappelle plus. Merci beaucoup, Dylan. Mais Roy met un grand enclos avec plein d'animaux de différentes espèces. On va voir ce qui se passe. Bah, je t'avoue que pas là, non. Donc, il n'y a pas de plateforme escaladable bambou. La question, c'est est-ce qu'ils utiliseraient le sol quand même pour passer nos amis les capucins. La question c'est ça. Et est-ce qu'on va y répondre oui. Oui. On va essayer pour voir. Ce serait moins choquant, je pense. Je vais mettre le pack du contenu. Alors, maintenant, hop. C'est pas fou, hein. Ça se pose bien, là? Ouais, c'est ce que je me disais. Si je fais ça et que je mets play, est-ce qu'il y va? Où es-tu? Ici. Là? Là? Mais non! Oh là là! Je suis sur lui, là. Habitat. Oh, il y va. Oh, bah parfait. Il y va, c'est excellent. Là, il grimpe ici, mais il vient pas là. Oh, il va pas jusqu'en haut. Il vient pas là, en fait. Ah, parce qu'il grimpe pas là. Il grimpe pas sur ça. Là, il grimpe là, mais il viendra pas descendre. Débile, il est trop petit, en fait. Mais c'est toujours inattendu. Ils sont trop petits. Ils arriveraient pas à s'agripper là-haut. Bon, c'est pas gênant. Hein. En vrai, c'est décoratif, quoi. Là, ils grimpent un peu partout. Là, ils vont là. Ils vont pas dans l'eau, donc ça, c'est positif. Il n'y a pas de point de fuite. Donc ça, c'est très bien aussi. Excellent! Merci beaucoup Dylan sur un parc d'expérience. Bah écoute, c'est pas prévu. Alors du coup, on avait dit nature. Ah bah non, on avait dit construction. Là-bas. Qu'est-ce qu'on a en construction du coup, Amérique du Sud? Cet arbre est sympa. Est-ce qu'on met un temple? Oh, je pense qu'on va être obligé. Hein. Oh, c'est tellement stylé. C'est que je pense que je vais le mettre là, ça. Oh non! C'est pas ce que je voulais faire. Faudra que je change un peu la terraformation, mais... Rentrer un peu dans le sol. À la limite, plus comme ça. Ce qui fait que l'entrée est derrière. Il y en a, c'est pas. Ou alors, je l'avance. C'est pas si mal.
C'est pas si mal en mettant des arbres autour, je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire. Toi, je vais te décaler, je vais même te mettre derrière toi. Hop. Ça, faudra que je les échange. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Merci beaucoup, Liu, bienvenue à toi. C'est magnifique. Dans l'eau, ça peut rendre bien aussi. Hein. Ah! Ah, l'idée est intéressante. Attends, je vais voir s'il n'y en a pas un autre. Merci beaucoup, Dragon, bienvenue à toi. Je vais voir s'il n'y en a pas un autre éventuellement. Ok, bon, alors forcément, c'était une full construction, quoi. Dans les plans, du coup. Merci beaucoup, Princesse Aki. Bienvenue à toi aussi. Effectivement, dans l'eau, ça peut avoir un effet. Après, ça fait un peu temple inondé. À la limite, c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais mettre un. Il y en a pas un autre. Celui-là, mais il n'y a pas d'arbre, quoi. Oh, wow. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Le temple. Alors, à la limite, non. J'allais dire le temple inondé, mais non, je vais peut-être le mettre par ici. De ce côté-là. Merci beaucoup, Dylan. Ça enchaîne les abonnements, ouais. Ouais. Ici, c'est celui-là. Si je mets ça. Ici. Oh, tu sais que c'est pas si dégueu en plus avec ça là. Hein. Tiens, là ça touche pas le sol. Si je cache comme ça, comme ça. Que je décale un peu. Pour limiter l'impact sur la route. Je pense que ça peut avoir un effet. Faut imaginer des arbres, forcément. Et je vais peut-être du coup casser la butte c'est derrière. Systématiquement débile, et y mettre une construction. À la limite, je vais même le décaler encore plus. Je vais enlever, je vais mettre un terrain plat et je vais le décaler encore plus. Merci beaucoup. Liu demande que tu nous montres ton parc. Attends. Je suis en train de faire un truc. Tant que j'ai une idée. Ça a peut-être enlevé. Oh la vache, mais il y avait. On est en train de découvrir des choses incroyables. Des ruines perdues. Oh. Je vais faire ça. Toi, je te supprime pour l'instant. Toi, je vais te décaler. Est-ce que je peux mettre éventuellement, du coup, un... Ça, c'est trop gros, ça. Oh, c'est beaucoup trop gros, ça. Est-ce que je peux mettre, du coup, éventuellement, un petit temple? Bon, ça n'a pas un impact particulier, peu importe ce qu'on met, quoi. À quoi ça sert? Pff, on a rien du tout, on est d'accord. Mais... Non. Non. À la limite, je peux le mettre là-bas, quoi. Une vue. Fais attention, fuis-toi, ouais, t'inquiète. Une vue générale. Oula, c'est peut-être un peu haut. Vue générale sur le zoo. Voilà, voilà. Asie, Inde, occidentale, montagne arctique. Et là, on est sur Amérique du Sud. Est-ce que je peux le mettre du coup
Ça peut avoir un effet aussi, ça, en vrai, je pense. Ça peut avoir un effet aussi, je pense. Caché dans la... Dans un début de jungle, quoi. De le décaler, quoi. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais mettre quelques têtes. Je vais mettre là. Bon, je pense qu'on est pas mal pour les décos. Structure. On va mettre des arbres maintenant. Les fuites, Roy, les fuites. Ouais, mais t'inquiète, t'inquiète. Je verrai ça après. C'est. Que t'en mettes beaucoup de singes, sinon on va pas les voir. Ouais. Bah après, bon, on est censé marcher dedans, de toute façon. C'est systématiquement débile. Si les gens les voient pas, les voient pas. Mais c'est toujours inattendu. Merci beaucoup, Diane. Les fuites. Ouais, je sais, je sais, je sais. Mais je verrai ça après. Je construis d'abord, parce que si je mets un arbre un peu trop proche de l'enclos, enfin de... du mur, et que... après, alors que j'ai déjà géré les fuites, derrière, j'y fais pas attention. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Je vais mettre... Il y a tellement d'arbres possibles. Est-ce que j'ai des grands arbres noyés d'Amazonie? Escaladables? Est-ce que je peux mettre des arbres escaladables? Attends. Je vais mettre les arbres escaladables. Propriété? Qu'est-ce que j'ai comme arbre escaladable? Bouleau blanc, acaille, frêne. Frêne escaladable, en vrai je suis plus surpris qu'autre chose quoi. J'aurais presque voulu un arbre un peu plus grand quoi. Enfin avec moins de feuilles au tronc quoi du coup. Je pense que je vais mettre ça. Je sais pas à quel point c'est escaladable en fait. Le fait que ce soit sur le bord de l'eau n'est pas si gênant, pardon. Je vais mettre ça. Je vais en mettre un en face. À la limite, je change d'arbre. Ça et je vais descendre ça. Alors attends, parce que du coup il y en a deux. Et je vais le descendre. Les gens passent là? Ah, c'est peut-être un peu chaud. J'ai du mal à avoir la tête d'un humain. La taille d'un humain, quoi. Pour ceux qui veulent les soldes Sim Planet Zoo, 33 euros jusqu'à ce. Ah, c'est quoi le 11 euros? Les DLC sont tous moins 30% et 40. Merci beaucoup, Mr. Viking. Ça va être diff sur YouTube, ouais. Ça va être diffusé sur YouTube.
Sauf que, bon, ce sera pas tout de suite, parce qu'il y a un petit retard quand même. Même s'il est en train d'être largement rattrapé. Il y a quand même un petit retard. Bon, ça, je verrai après, ça, c'est du détail. Je ferai le tour après. Je vais mettre play. Et je vais voir si les capucins. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Un petit play. Merci beaucoup. Vous savez comment les appeler, comment les uns? J'ai une petite idée, peut-être le pivoter. Non, je vais pas les renommer surtout. Ici. Alors, ils y vont. Comment ils y vont? J'en sais rien du tout, mais ils y vont. Ils utilisent du coup l'arbre? Il n'y a pas de trait indiqué sur l'arbre? Bon, bah écoute. S'ils me disent qu'ils y vont, tant mieux, hein, moi ça me va. Ça me va. C'est combien d'épisodes? Oh là, je peux pas te dire. Je ne peux pas te dire. Ok, bah écoute, on a fini. Pas du tout. Alors, nature. On est parti. Je crois qu'on est à peu près bon au niveau de la correction de ce qu'on a fait. On va maintenant densifier un petit peu l'ensemble. Et mettre quelques petits arbres intéressants. Quoi. J'aime beaucoup. Açaï, là. C'est très sympa, ces arbres. Très très sympa ces arbres. Extrêmement sympathique même ces petits arbres. J'aime beaucoup. Y'a que ça là? Ah non, c'est escaladable, pardon. Alors du coup, je vais mettre, je pense que je vais d'abord mettre, tropical, et si je sens que je commence à tourner un peu trop dans les mêmes arbres, j'irai mettre du tempéré, ça va me permettre de mettre certains arbres qui correspondent un peu plus à la zone. Il n'y en a pas tant que ça en même temps. Il n'y en a pas tant que ça, quoi. À la limite, je peux peut-être éventuellement gratter un petit truc en faisant en sorte qu'il grimpe là-dessus. Passant par un arbre. Je sais pas s'ils grimpent jusqu'en haut. Mais s'ils grimpent et qu'ils peuvent passer. Pourquoi pas. Cool qu'un. Je mets, puisque de toute manière, bon, ils veulent de la jungle. Hein, donc, D'ailleurs, ils ont réparé le fait de pas pouvoir nourrir, remplir les plateformes de nourriture. Enfin, de nourrissage. Alors, le figuier, il est sympa, mais bon, il est un peu dégueu quand même. Capoquier. C'est quoi que j'avais mis là? Pour faire tout ça là? Figuier. Oh bah je peux. Non, je vais prendre ici. Figuier. Là je vais densifier ici là. C'est un temple perdu.
Ouais, ça me va. Ça me va. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les pommiers. Ah, Wimba. Wimba, ce serait bien de pouvoir en poser un, quoi. Mais c'est tellement gros, quoi. Ça passe, c'est pas dégueu. Je vois le commentaire arriver du visiteur, on a du mal à voir les capucins. je le vois aussi, je vais pas te le cacher. Mais je prends le risque. Je prends le risque, on a l'habitude, après tout. Tu l'as épousé, non. Alors attends, tant que j'y pense, ça je vais changer tout de suite. Parce que ça je veux les barrières. Des rambardes. Oh. Ah pardon. Ok, nature. Ça, c'est peut-être l'occasion d'en mettre un. Attends, mais comment tu le poses correctement, ça? Comme ça, à la limite, on peut faire ça. Pas très inspiré par ce bout de bois. Hein. Pas très inspiré par ce bout de bois. Hein. 4 poquets, non. Mangrove, on pourrait en mettre. À la limite, je vais en mettre ici. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. La phrase qui va tellement rien. Merci beaucoup, Dylan. Il y a beaucoup trop d'arbres, quand même. Ah bah non. Il y avait beaucoup d'arbres. Ah bah non, c'est une jungle. Et les arbres, même pour moi, il y en a même trop peu, quoi. Je vais passer aux arbres... climat tempéré, c'est pas fini. Si on a trop pour vous déjà, vous allez être déçus. Je vous le dis tout de suite. Un pommier et un poirier l'un à côté de l'autre, parce que c'est quand même sympa, quoi. Et j'ai même pas encore mis mes cailloux. Non, tu rigoles, là, ça doit être caché, là, on doit pas voir ça. Là. Ça doit être interdit, ça. La vue ici doit être... cachée. Vu tes enclos, il faut que tu expliques comment tu fais pour gérer l'eau et l'électricité, parce qu'il doit forcément être hors zone par endroit. Moi, je mets une blinde de trucs, quoi. C'est chiant, mais... Mais bon, enlève les cyprès. Non, pour l'instant, ça va. Je regarderai de haut, mais... je pense qu'on est pas trop mal. Alors ce que je vais faire, ce que je vais faire, c'est que je pense mettre un peu de nénuphar ici,
c'est systématiquement débile, mais c'est toujours comme inattendu. Ça. Merci beaucoup, juste car j'ai dit que je veux des chamallows et chaque personne qui me dit moi je te donne un bide, donc voilà. Hein ? J'ai pas tout compris. Ah, par contre j'avoue que les nénuphars, je sais pas les utiliser. Comment faire un truc à peu près propre là ? Il y a du roseau de toute façon, je mettrai du roseau aussi. Il y a du roseau en climat tempéré. Je mettrai du roseau. Je vais mettre les rochers. Parce que je vais mettre rochers tropicaux avec la mousse là. Comme ça. Et après on va passer aux arbres climat tempéré du coup. Alors toi je t'avais gardé exprès parce que je voulais te remettre exactement au même endroit. Sauf que je veux celui-là. Et il y en a d'autres que j'avais gardé aussi, mais je sais plus où. Ah bah d'ailleurs, ici, j'ai oublié de densifier. Avec le figuier. C'est très très bien le figuier, quand même. Très belle invention. C'est pas un endroit où je souhaite absolument que les gens aillent, donc enfin que les. C'est bizarre hein, les figuiers, hein, franchement, non? Ah c'est sympa quand même. Mais je sais pas, ça me surprend quoi. Si tu veux agrémenter tes bassins, tu peux prendre des poissons sur le workshop. Ouais, non, alors ça, c'est du détail extrêmement intéressant, je suis d'accord. Mais où, j'avoue, j'ai pas envie d'utiliser les ressources du PC pour... Enfin, pour des trucs où on verra pas, quoi. Là. Rocher de la taïga 2. Ok. Qu'est-ce que je peux mettre comme rocher et à quel endroit? Ici, il y en a un. Là. Je suis censé mettre des cascades. Est-ce que je mets de la mousse? Ouais, je mets de la mousse. Hein. Je mets de la mousse. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Je vais acheter Planet Zoo. Quel DLC tu penses que c'est le mieux? Oula, bah ça dépend de ce que t'aimes comme niveau. Merci beaucoup Dylan. Lis les commentaires quand t'as fini. Il y a des questions intéressantes. Ça dépend ce que t'aimes comme niveau quoi. En vrai, j'adore l'ours polaire, mais je trouve que le DLC là, Amérique du Sud est quand même plus. Plus intéressant quoi. Bah, après c'est l'avantage du climat on va dire. C'est l'avantage du climat. Il y a vraiment des trucs stylés avec le DLC ou Arctique quoi. Mais pour le coup pour le... Oula non pas du tout. Pour le coup je prends des trop grands. Trop grand aussi ça. C'est systématiquement débile. Pour mais le c'est coup, toujours qu'est-ce inattendu. Que j'allais dire.
pour le coup, le fait de faire des jungles, enfin une jungle, c'est plus intéressant que faire une banquise, quoi. Ouais. On va dire ça comme ça. Mais après, c'est mon avis, quoi. Merci beaucoup, Dylan. Et là, à dit pivoter, tu as créé un mode, lol. Tu as créé une mode. Ah, c'est pas moi qui ai lancé le pivoter. Moi, j'ai dit mon sandwich. Je vais les mettre un peu par là. Bon, alors, pour le coup, bon, il ne faudra pas se poser de question de où vient cette eau. Hein. Il y a cascade d'ici, cascade de l'autre côté. C'est pas très... c'est pas très, très logique, mais c'est pas très... On va dire qu'il y a une source juste en dessous. Et puis, c'est pas mal, quoi. Ici, il y a beaucoup d'espace. Hein. Je vais ajouter un petit comme ça. En fait, je veux mettre la mousse sur les côtés parce que bon, il n'y a pas l'eau qui passe, on va dire. Mais un au milieu, quand même, ce serait pas si mal, je pense. À voir. Je vais remettre le même. On va faire ça, faudra mettre l'effet d'eau. Bah, je vais le mettre l'effet d'eau, hein, quand ça sera fait en vrai. Je vais mettre l'effet d'eau tout de suite. Hein. C'est où déjà? C'est en construction, pardon. Le nombre de fois où il a dit pour le coup. Ah bon? Ouais, c'est peut-être mes, un tic de langage, ouais. Je peux... Je suis d'accord pour le coup. C'est systématiquement débile, comme ça. Mais c'est toujours inattendu. C'est pas ce que je vais faire, c'est pas ce que je vais faire. Oh, ça l'aide tellement. Oh, c'est une très très grosse... Très grosse cascade. Hein. Très grosse cascade. Quand ça se fait qu'on le voit lui. Et puis c'est exagéré pourtant quand ça se fait qu'il est visible. Ah parce qu'il est devant. Ah oui pardon. Il est devant. Merci beaucoup Yves Shrek. Merci beaucoup, bienvenue. Mais merci Dylan. Enfin ouais, je t'adore. Dernier don. Et le prochain sera dans le live. Attends, j'ai pas vu. De ce soir. Pour pas gâcher la vidéo, bonne vidéo et à tous. Et n'oubliez pas qu'il faut s'abonner, mettre un like, activer la cloche pour savoir que quand ces super vidéos sortent. Merci beaucoup Dylan. Merci à toi pour tous tes dons. Je vais mettre ça là. Et nature. Je vais remettre un rocher. Je vais remettre un rocher. Pour cacher le truc. Ouais, hein, admettons. Il se met à pleuvoir dans la jungle. Une pluie diluvienne. Bonjour Mali, salut Starnov.
Ah, je sais pas. Ouais, on voit pas trop le truc. Moi, je mets 10 mètres, en fait. Attendez, mais il était là le truc là, quand je sais que je le vois pas. Elle est où la cascade? Sors de là, quand je vois la cascade. Ça. Et je vais le mettre en bas. Parfait. Je vais ajouter nature. Un rocher pareil pour cacher. Ok, ça c'est bon. Et je vais laisser tourner un peu. Faut pivoter. C'est vrai. Je vais laisser tourner histoire que la pluie s'arrête. Petite idée qui peut rendre bien dans cette zone, mettre les boîtes de dons en jaune et noir, ça passerait mieux que le bleu. C'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Caisse, ils sont en train d'arriver. Camilla qui a soif. On a un mécanicien qui ne peut pas atteindre sa zone de travail. Pas con, c'est aussi. Alors attends. De toute façon, je l'ai pas mis dans ma zone encore. Amérique du Sud. Je vais même faire sauvegarder. Et après, il nous reste à mettre, je pense, quelques rochers, mais faudra voir. Et surtout des arbres climat tempéré pour densifier encore plus. Et je pense que. Après, il faudra les planter tout seul, forcément. Et je pense qu'on sera bon. Je pense qu'on sera bon. On va attendre juste que ça tourne, quoi. Clôture en bois pour les fourmiliers. Ouais, alors j'avoue que les clôtures, je. Enfin, je mets la béton parce que ça permet de mettre le virage et puis. Après, je m'en occupe plus. Mais oui, faut que je le fasse. Je vais juste laisser tourner. Le temps qu'on a la pluie et la nuit. Animal déshydraté. Ouais, mais ça, c'est chiant. Hein, ça, j'avoue, quand même. Je peux l'envoyer au centre d'échange. Mais, bénéficie pas d'une température idéale. Ouais, mais c'est pareil, ça. Il faut que je vois. Je sais plus où j'ai mis truc de froid, là. On peut voir les impacts de froid, d'ailleurs. Oh, c'est tellement... On peut voir les températures, là. Ah, ici. Tac. Et le reste est bon. Parfait. Oh là là, on voit tellement rien. Qu'est-ce que c'est que cette pluie diluvienne en 31 juillet? Il fait 14 degrés. Mais une pente là où il y a le mini bassin. Pour. Non mais de toute façon là je laisse tourner. Après je verrai ce que je fais. On va voir un petit peu ce qui va se passer par la suite. C'est systématiquement. Je sens que ça va être pas mal. Merci beaucoup Dylan. Tout le monde demande que tu cries pivoter. Mais c'est pas vrai, vous êtes deux. Entre deux et tout le monde, il y a une marge. Mais merci beaucoup. Bon, on laisse passer cette nuit. En vrai, je pense qu'il va être sympa, l'enclos. Maintenant,
maintenant, oui, les gens vont certainement se plaindre de pas voir, quoi. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Faudra que je mette l'éclairage aussi. Mais en même temps, faut que je mette l'éclairage partout, quoi. C'est éclairage juste ici, quoi. Il n'y a pas de courant en Occident et en Amérique du Nord. Ah mais ça c'est... Amène-les, qu'est-ce que je te dise. Panthère des neiges va mourir de liesse. Ah mais écris s'il te plaît pour YouTube. Ah bah non, enfin je fais ce que je veux un peu. Je vais pas crier juste parce que t'en as envie. Je fais attention à ma gorge, elle est sensible, fragile. Les gens aiment ma voix, je vais pas l'abîmer, juste pour crier... Pivoter. Isaacos, qu'est-ce qu'il veut? Enfin qu'est-ce qu'il pense? Non, j'aurais pas dû faire ça. Ça lag tellement. C'est en play là. C'est en train de tourner. J'ai cliqué sur Isaacos. Maintenant, on est dans une situation où on ne sait pas à quel moment le jeu nous dira c'est bon, tu peux jouer. Allez. Bon. Isaacos est parti. Tizzy Spoom, il était content lui. Hein. Ouais, d'ailleurs. Bon, il pense à rien. Là. Bon, bref, hein. Un petit peu de jour, s'il vous plaît. Salut, gâteau. Un peu de jour, histoire qu'on ait la possibilité d'avancer. Ce serait pas mal. Ça tourne, là, ou ça tourne pas? Qu'est-ce que c'est que ça? On reste bloqué au 13 octobre. Oh non, ça lag trop, là. Faut que je relance. Faut que je relance. Ah oui, oui, oui. Les gens aiment ma voix, j'avoue, je lance tous les lives juste pour écouter ta jolie voix. Menu principal. Je relance, excusez-moi, ça a du mal. Ça a du mal, là. J'ai demandé trop de trucs. Ça va être compliqué d'aller chercher le Safari. Hein. Je sens qu'on va pouvoir le faire, mais qu'on pourra pas l'admirer en vie, quoi. Ça, c'est un peu galère. Oh, même pour quitter, c'est interminable, quoi. En parlant de ta voix, chante. Mais non, mais non. Salut, Rafix. Bon. J'aurais jamais dû faire ça. C'est une erreur de ma part, encore. Une erreur qui va nous amener à une perte de temps astronomique. YouTube, vous pouvez avancer la vidéo. Je vais vous mettre là. Je vais relancer complètement le jeu. Oh, le live est démarré, forcément. Hein. Je relance le jeu pour être sûr, et puis on est reparti. Quoi. Jouer. Laissez-le jouer un peu. C'est clair, laissez-moi jouer. Et les gens, ils s'en fichent hein, de ce que vous dites. Hein. Donc ils s'en fichent de ce que je dis par rapport à ce que vous dites. Et du coup, ils sont là juste pour le jeu. Pensons à tout le monde. Et on est parti. Le jeu va s'afficher. Normalement. J'ai cliqué trop vite sur franchise. Je vais laisser la connexion se faire. Hey, yep. Yep. Tac. En avant. Tu vois comment les commentaires? Bah je les vois sur mon écran. Tu me rends fou avec tes enclos magnifiques, mais en vrai les miens sont immondes. Bon en vrai les miens, je les aime bien les miens, mais je les trouve pas extraordinaires quoi. Donc je pense que c'est subjectif hein, de toute façon. Merci de les aimer, de les apprécier. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde, quoi. Bonjour, Elvis King, je le redis, je crois que je t'ai pas entendu répondre. Ah ouais, mais je t'ai pas répondu, effectivement. Tuska Tapadja 65, bonjour à toi. On est sur quelle interface? Je le vois sur mon deuxième écran, sur Streamlabs, ou sur Twitch.
J'ai le double chat. Donc voilà. Là où il y en a un qui bug, j'ai l'autre. On assure la sécurité de pouvoir vous suivre. Est-ce que tu feras une vidéo setup sur YouTube? Un jour peut-être, mais d'ici 15 à 20 ans, je pense. Parce que mon setup n'a rien de... Enfin, je suis pas un gros streamer, pas un gros YouTuber. Quand tu les vois avec leurs trucs... Ils appuient sur un bouton, ça change de scène et autres. Moi, j'ai pas tout ça. Moi, je fais tout à la souris. Donc, ça n'a pas vraiment d'intérêt, quoi. Bonjour, Dumpfish. Bon, allez, le chargement. Alors, les animaux vieillissent plus lentement. Tant mieux, au moins, ça meurt moins vite aussi. Et on laisse tourner. Un petit peu de jour. Il va y avoir des soucis saleté, ah bon ? Il va y avoir des soucis, forcément. On attend juste le soleil. J'aimerais plusieurs enclos de toit dans le workshop, ils sont magnifiques. Ah bah il y en a plusieurs déjà. Il y en a déjà plusieurs. Mais il suffit de demander. Hein. Si vous voulez un enclos, moi je peux le mettre sur le workshop, c'est juste qu'il faut le demander au bon moment. Quoi. Donc pas pendant que je suis en vidéo. Il y a un moment où, où j'ai pas quitté le jeu, quoi. Parce que s'il faut que je relance parce que vous avez traîné, bon, bah, du coup... Du coup, c'est compliqué, quoi. Et ça tourne, là, ou... 27 octobre 28, ça tourne un peu. Qu'est-ce qui se passe, là? L'animal est assoiffé. L'animal est mort. Naran Batar. Vétérinaire en route. Mort de vieillesse. Je verrai après, hein, pour le remettre. Hein. Je veux construire. Hein. C'est vrai que j'espère qu'ils vont faire une mise à jour sur les trucs qu'ils ont soif, hein, parce que... Voilà quoi, hein. Le fait d'avoir des espèces qui ont soif alors que bon, ils ont de l'eau, c'est perturbant quoi. C'est quoi ton plus gros achat sur un jeu? Alors, dit comme ça, je te dirais rien quoi. Puisque je mets pas de sous dans les jeux, hormis les DLC, je mets pas de sous dans les jeux donc. Bon, ça tourne là? Qu'est-ce que c'est le temps qu'il fait là? On peut avoir un peu de soleil? La nuit interminable, quoi. Attends, on est que le 9 novembre. Ah bah non, j'accélère pas, pardon. Tant pour moi, j'étais... j'étais pas sur la bonne vitesse. Ah bah voilà, tout de suite on sent une différence. Le soleil se lève par là, pardon. Je sais, il y a des tigres du Bengale, ours polaire et tapir que tu as rajouté pour moi. Je suis fan du panda et tes nouveaux magnifiques. Bah, merci beaucoup, Prince. Merci beaucoup. Bon, on est un peu ébloui. C'est le soleil. Montre-nous les reines. Non, après. Je dois vous laisser, j'essaie de venir ce soir. Des bisous, soyez sages les enfants. Salut Apony, merci beaucoup encore. Un grand merci même pour ce record de bits d'un coup. Et bon après-midi à toi. Et prends soin de toi également, bien évidemment. Le soleil se lève. Allez. Qu'il arrive au niveau de l'enclos, histoire qu'on puisse construire. Un petit peu de lumière. Encore un peu. Allez, vas-y. Juste un petit peu. Qu'est-ce que c'est qui fait cette ombre là, là? C'est ça? Pourquoi il y a de l'ombre ici là? C'est ça, oui forcément. Oh c'est bon, ça tourne vite. Ça tourne vite. Il y a des impacts négatifs, il y a des animaux qui sont pas contents. Pause. On est parti. Alors du coup, nature. Ici, biome. Climat tempéré, tropical, continent, Amérique du Nord, Amérique centrale. Excellent. C'est ça. Hein. Où sont les capucins? Il y en a un là. Ah, ça c'est pas un capucin. Il y en a un là. Il est en 49%. Ah, cocotiers, ils sont pas d'accord. Bah, quoi bon me demander d'en mettre alors? Enfin, me dire que je peux en mettre. Amérique du Nord, tropicale. Ils sont pas fans, quoi. Bon, écoute.
J'en avais mis qu'un seul, hein, donc c'est pas très grave. Tout le reste est bon. Tout le reste est bon. Et c'est pas fini, mon grand. T'inquiète pas. Ça va s'enchaîner. Alors, du coup, on va mettre quelques arbres climat tempéré, histoire d'avoir des arbres un peu plus denses en bas. Je vais pas mettre de cyprès. Je vais pas en mettre plus, en tout cas, que ce qu'il y a déjà. Je vais mettre du frêne. Je vais mettre du frêne ici. Comme ça. Je vais mettre être. Ouf. Être, c'est énorme. Être, c'est beau. J'aime bien l'être aussi. J'ai presque envie de le mettre ici. Oh merde. Un petit peu moins vite, ça aurait été intéressant. Ce qui fait que quand t'arrives là, boum. Voilà, c'est dense à gauche parce que, bon, c'est la jungle. Hein. Et en plus, ça cache la maison. Quand t'es là, du coup, t'as la surprise. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Ensuite, on a la possibilité... Allez, les roseaux. Les roseaux, je vais les mettre tout de suite. Ah, c'est même pas des roseaux. Massette. Ah bon? Ils ont changé le nom ou... C'était pas les roseaux... Bah non, c'était pas les roseaux d'Inde, ça. Surpris. Je m'attendais pas à ce que ce soit pas des roseaux. Bon, après, ça a l'air d'être la même chose, mais... J'ai presque envie de les mettre comme ça. En contrebas. C'est systématiquement débile. Merde, raté. Mais c'est toujours inattendu. Je vais mettre un bosquet plutôt. Ouais, c'est pas si mal. Merci beaucoup, Dylan. À ce soir. Merci beaucoup. À ce soir. Parce que là, c'est un peu trop vertical. Comment ça? Ici, mais une pente. Ah! Bah, ils sont pas censés aller dans l'eau, hein, donc non, c'est pas gênant. Non, moi, j'aime bien, moi. J'aime bien le fait que justement ce soit en pente et que, ah, comme j'ai mis là, les roseaux en contrebas. Enfin, même si apparemment c'est pas les roseaux. Oh, ça me déplaît pas, moi. Ça me déplaît pas, honnêtement. Qu'est-ce qu'on a comme arbre? Tamarinier, évidemment. Wimba, en vrai il n'y en a pas tant que ça, je croyais qu'il y en avait beaucoup plus. Il y a de l'érable quoi, on va mettre un peu d'érable. Et l'érable je vais le mettre là-bas. Bon, c'est un peu, ça va peut-être être un peu surprenant de la couleur orange dans un enclos de jungle tropicale, mais... En vrai, j'avoue que j'ai jamais été en Amazonie. Est-ce qu'il y a des arbres oranges des fois en Amazonie? Sans parler de arbres automne, hein. On est surtout sur la couleur, quoi. C'est quoi l'enclos? Capucin, ouais. Bon, ça commence à être bien dense. Honnêtement, j'apprécie. C'est ici, c'est vide. Un bel arbre serait cool. Un bel arbre serait cool. Avec un gros tronc, mais sans que ce soit le Wimba, là. Parce que le Wimba, il est costaud, quand même. Capoquier, peut-être, éventuellement. Ou un être. Un être, pardon. Un être. Un être. C'est voir le Wimba quand même. Au cas où. Ah, c'est tout en bas du coup.
Oh bah écoute, si je fais ça. Ah, c'est pas choquant. Ah non, c'est pas choquant. J'aime bien. J'aime bien parce que c'est la jungle, quoi. Au niveau densité des arbres, on est bien, quoi. Là, ici, c'est un peu plus découvert. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et il y a ça que j'ai pas caché. Est-ce que j'ai envie de le cacher? Oh, vraie question. Je peux peut-être y mettre juste quelques... Et quoi, on va dire, du coup. La lampe torche qui va tout faire flamber, quoi. Enfin, la torche, quoi. Avec un arbre. Mais du coup, là, je verrais bien un coulquin, quoi. Pour le coup. C'est sympa, 10 sur 10 pour ta jungle, un zoo. Comme ça, prends un pass annuel et je vais passer mon temps libre là. Alors le pass annuel, c'est cool parce que maintenant on peut savoir depuis combien de temps les gens sont là. Si je prends Isakos. Bonjour Isakos. Qui est dans le train. Isakos, il est là depuis... Je sais plus. Ça fait déjà 7 mois là. Date d'arrivée, il est arrivé en... Il est arrivé en 202. Il part en 207. Hein. Donc, ouais, il y a un petit temps de visite. Ouais. J'espère que t'as posé des jours parce que là, attends là pour un moment. Hein. Et ce qui est bien, c'est que ça fait 2 ans qu'il est là. Il n'a pas encore vu une seule des espèces qu'il voulait voir. C'est amusé. Bonjour Naloli. Vous rendez la pelette ou c'est tout nu dans les sorties? J'aime beaucoup cette référence. Bravo. Et attends, et c'est dense là? Ah oh, si, c'est bien. J'aime bien, vu de loin. Hein. C'est pas mal du tout. Ici, ce sera caché par l'extérieur. Ce sera pas dans l'enclos en lui-même. Mais j'aime beaucoup. On va densifier le sol avec... enfin, densifier pas forcément, mais en tout cas, on va mettre quelques plantes au sol. Avec un petit peu de plantes violettes, parce que c'est beau. Elles sont jolies, ces plantes. Comment ça s'appelle, ça? Cordyline. Cordyline, il faut que je vois à quoi ça ressemble en vrai, quoi. Parce que j'avoue que ça me plaît bien. Ça va peut-être devenir ma fleur préférée juste après les orties. Quoi. Enfin, ma fleur, ma plante. C'est quoi la différence entre plante et fleur? Question con. J'ai jamais posé la question. Peut venir sur ton zoo? Malheureusement, malheureusement non. La fleur en bouquet meurt. Mais jamais ne le nez. En bouquet fan. Un bouquet fan. Lui. Quelle erreur. Ah, quelle erreur. La fleur en bouquet fan. Et jamais ne le nez. Une plante, c'est une plante en... Une fleur, c'est une... Ah. C'est un peu extrême, Naloli. Je me suis suicidé. Bon, c'est une petite erreur. Hein. Ça arrive même au meilleur. Hein. Ça arrive même au meilleur. Qu'est-ce que je peux mettre ici? Ici, je sens que ça va être... ici, je vais mettre un caillou. Alors, attendez, je vais prendre un risque. Je mets le caillou après. Prise de risque. Je suis pas sûr d'y penser. Je suis pas sûr d'y penser. Non.
Non, je vais mettre ça. Je vois bien un caillou comme ça et un autre ici. Un plus haut là et un plus bas ici. Je vois bien ça. La fleur en bouquet. L'inné boréal, bon pour le coup, non, hein, forcément. Enfin forcément, tu me diras. Oh c'est beau ça, les orchidées Catellia suspendues. Ah suspendues au sol quoi, mais elles sont suspendues. Ça va faire trop propre ça. Ça fait propre, mais on peut... Orties ! C'est pas vrai ! Non, ils aiment pas les orties. On a vu qu'ils aimaient pas. Pardon, jamais je me suis... Qu'est-ce qu'ils aiment pas, là, du coup ? Ah, ma set, ils aiment pas. La plante n'est pas du même environnement. Bah si, arrêtez de mentir ! Amérique du Nord. Mais pourquoi vous me le mettez, pourquoi vous me le mettez si c'est pas là? Tropical, climat tempéré. Il y a des petits bugs. Hein. La réaction droite sur les antilles, c'est ça. Bon, apparemment, les orchidées, ça ne le gêne pas, quoi. En même temps, je suis pas allé jusqu'en bas, donc je peux pas dire. Non, ça a l'air d'aller. Bon, les orchidées vont rester. Les orchidées vont... Mais attends, mais... Qu'est-ce que j'ai raté là? C'est les nénuphars là, ils y étaient pas tout à l'heure. Il y a un truc qui a changé? J'ai changé un truc? Ah, c'est vrai que je pouvais mettre ça, mais bon. Ah, j'ai l'impression qu'on est pas si mal hein, en plante. Ici, je vais laisser comme ça. Là, je vais mettre quelques pinces de crabe là. Pas du tout, c'est des têtes de singe. Moi, je savais qu'il y avait une bête dans le nom, mais... Laquelle? Petite tête de singe, ça va peut-être inciter les espèces à grimper. Et je vais mettre les plantes violettes, là. Les capelia. Cordyline. Je n'ai pas du tout dessus, quoi. Ok. Tu rigoles, c'est une erreur impardonnable pour moi. Tu sais qu'on pouvait mettre son zoo sur le workshop si tu l'as fait en bac à sable. Ouais, je sais, mais bon, je l'ai pas fait en bac à sable. Donc, Ah, du coup, non. Du coup, non, quoi. Arthur. Ça veut dire que ça... Pardon. C'est bon, hein. J'aime beaucoup ça. Hein. Comment ça s'appelle? Cordyline, je vais pas retenir. Hein. J'aime beaucoup cette cordyline. Très agréable à l'œil. Après, est-ce qu'elle l'est à l'odeur? C'est une autre histoire. Mais... C'est une autre question, plus. Bah écoutez, en vrai, je pense qu'on n'est pas si dégueu, quoi. On n'est pas si dégueu, quoi. J'ai l'impression que ça le fait, quoi. Il y aurait toujours... Ah, pince de homard. C'est pas crabe, c'est homard. On pourrait toujours pousser plus en mettant encore plus de plantes par terre. C'est vrai, c'est sûr, je suis d'accord. Ici, là. Là, il manque des trucs. Là, il manque des trucs. Un pommier. Je vais mettre un pommier.
Oh, c'est sûr, ils vont pas les voir. À aucun moment, tu les vois. Enfin, là, il est juste là, mais... Elle part ici. Est-ce que je peux éventuellement... Bah écoutez, on est bien en vrai, hein. Je pense qu'on est pas mal, hein. Je pense qu'on est pas mal. Oh si, c'est bien dense et tout. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, je vais préparer... Enfin, je vais organiser un petit peu, du coup, tous les trucs à l'intérieur, là. Parce que là, la poubelle, je t'avoue qu'elle va pas servir à grand-chose. Ah, là, ça, c'est pas la poubelle. Mais non, mais la poubelle. La poubelle est inaccessible. Merde. La poubelle. Mais non, mais la poubelle. La poubelle est... La poubelle reste là. Ça. Comme ça. Après, effectivement, changer les couleurs, mais... C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Merci beaucoup, Dylan. On est là, Roy est toujours là. Bah écoute, merci beaucoup. Oh, ouais, il est magnifique ton enclos, merci beaucoup. Faudrait que tu mettes un peu plus de singes. Ouais, bah alors ça, on verra après. On verra après, en vrai. Mais... Mais je suis pas contre l'idée, quoi. Je suis pas contre l'idée, puisqu'on a, bah, on a des sous maintenant, quoi. En plus, au niveau optimisation, ça doit être bon, quoi. Au niveau optimisation et nourriture, on doit être au bon truc. Hein. Parce que les capucins doivent manger à peu près la même chose que les macaques. Enfin, utiliser les mêmes mangeoires en tout cas. Petite musique? Allez. Non? Oh. Ok. Bon. Ah bah, de toute façon, c'est pas ces poubelles là, je suis bête. C'est pas ces poubelles là. Faut que je les remette, les poubelles. Je fais un petit tour sur Utip. Merci beaucoup à toi d'avance, du coup. Si tu as vu mon message sur ton zoo et la muraille. Hein? Comment ça? J'ai pas vu. Enfin, c'est pas moi, quoi. C'est moi qui bug ou on voit pas mes messages? Ah. Bah écoute, je vois tes messages. L'enclos est isolé. Oui, oui, je sais bien. Je sais bien, je sais bien. Mais tout est toujours isolé avant d'être entouré. Quand tu commences quelque chose, non? Alors par contre, il va y avoir un souci, c'est les haut-parleurs. Parce que je sais que je les avais enterrés. Et là, pour pouvoir recliquer dessus, on n'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est pas gagné du tout, même. Je vais mettre les poubelles. Je vais mettre...
Je vais mettre des bancs aussi dans l'enclos. Parce que bon, il est quand même grand. Et bon, si les gens veulent se poser, ils ont quand même le droit, quoi. Hein, c'est vrai. Moi, je pourrais mettre à l'extérieur de la route. Ce serait peut-être même plus propre, mais... De toute façon, ils passent à travers. Ils ont un peu rien à faire, quoi. Hein? Alors, je mets un banc là. Je vais en mettre un ici. Je vais en mettre un là. Devant l'eau. Je vais en mettre là. En dessous. À l'abri, si jamais il pleut et que tu veux te poser. Je t'en mets un là. Ici, si tu veux les regarder manger. Et je vais t'en mettre un là tout de suite à l'entrée. Si vraiment t'es au bout du rouleau et que tu te dis ah, il reste 5 mètres, je peux pas y aller, je me pose. C'est à peu près correct. Je vais amener l'électricité, je vais amener les routes, je vais amener les traitements d'eau. Et on sera pas mal au final. Alors, le seul truc, c'est que... Il va falloir que je vois ce que je fais après ici, comment je m'y prends. Ça, ce sera l'enclos lama. Hein. L'enclos lama, il partira peut-être un peu comme ça par ici, j'en sais rien, faudra voir. Mais ce sera l'enclos lama, quoi. À la limite, peut-être même que je ferai une route qui longe ici. Je ferai peut-être une route qui longe ici. Comme ça, on pourra aussi observer sur le côté là, tout en observant les lamas ici. On peut pas rentrer dans l'enclos lama. T'as mis des distributeurs d'argent? Non, pas encore. T'as pas d'électricité pour l'endroit? Non, c'est ce que je vais faire. Merci, merci. Service. Service. Alors, électricité. Comment ça marche? Où est-ce qu'on est en manque? Faudrait que je le mette... Ouais, faudrait que je le mette là, quoi. Ouais, il faudrait que je le mette là, quoi. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici, mais il faut que je rallonge la route. Je le bougerai officiellement quand j'aurai installé un peu plus la zone. Comme là, au final, j'aurais mieux fait d'augmenter la... Je vais le faire. J'ai enlevé l'eau. Clôture. Merci beaucoup. J'ai pas vu encore, mais merci. Mimi Moïse, bienvenue à toi. Clôture. Je laisserai pas ouvert ici. Je vais laisser ouvert ici. Je vais laisser ouvert ici. Ils nagent pas, les capucins. Les capucins ne nageant pas, il n'y aura pas de risque de fuite. Je remets l'eau. C'est la bonne hauteur. C'est la bonne hauteur. Et du coup, il va y avoir une route qui va longer là. Allez. C'est laquelle de bambou que j'ai prise? C'est bambou de travers.
Je modifierai un petit peu la route ici, histoire d'assurer... Enfin, histoire de... Que ce soit un peu plus propre, quoi. Merde, c'est ce que j'ai dit. Ne t'associe pas, s'il te plaît. Ne t'associe pas. C'est pas assez large. Avec la promo de Steam, on peut avoir tout pour 52€. Grave bénéf. C'est-à-dire tout le catalogue Steam. Ça va pas passer là. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Oh non! Oh pourquoi? Ah, attendez, est-ce que ça vient pas du fait que c'est pas assez large? Voilà. Non, tous les DLC plus le jeu. Ah ouais? Très loin de la Normandie, là, à la fin du confinement, j'irai chercher les, les hommes dauphins. Si j'arrive à prendre une photo, je t'enverrai, mais peut-être qu'ils me laisseront pas faire. Bah écoute, moi je les attends toujours, hein, donc n'hésite surtout pas, si t'as la possibilité d'envoyer une photo, ce sera un plaisir de les découvrir enfin. Mais c'est toujours inattendu. Merci beaucoup, Dylan. C'est beau. Ouais, je sais. On n'est plus à un stade où on se pose la question de est-ce que ce que je fais est beau. Non, ça l'est, c'est tout. C'est un fait. C'est un fait. Service. Électricité. Je vais mettre ça comme ça pour l'instant. Pour l'instant. Hein. Traitement d'eau. Je vais faire pareil. J'avais pas dit de faire une sortie ici. Ouais, bah du coup, elle est pas faite. Hein. On sera obligé de sortir par là, quoi. Ah merde, c'est un peu con ça, j'avais dit. Oh puis là faudrait que je change tout. Ouais non, trop chiant. On va rester sur ça. Au niveau de l'eau, fais voir un petit peu le traitement de l'eau. L'eau est propre mais bon, il n'y a aucun traitement quoi. L'eau est propre mais il n'y a aucun traitement. Donc Non, c'est petit en plus, faudrait que je le mette là quoi. Faudrait que je le mette ici, bon. Entendu un lion, quoi. Alors qu'il n'y en a pas. Ok. Ici, il y aura probablement une route aussi qui va prolonger sur le côté. Je pense qu'on va pouvoir rentrer dedans ou faire le tour, quoi. C'est fort probable parce que ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Je vais mettre le traitement d'eau et je crois qu'on sera bien en vrai. Hein. Dans quel sens c'est, comme ça. Je vais le mettre ici. Allez. Pour l'instant, je fais ça. Comme ceci. Ici, je vais enlever ça. Je vais prendre ma route. Là-bas au bout. Tac. Non, pas celle-là, pardon. Celle-là. 8. Elle va tourner. Limite, elle va pas tourner. Se poser là. Je pourrais mettre un bâtiment là. Je pourrais mettre un bâtiment là. Je pourrais mettre des magasins ici. En vrai, ça devrait le faire. En vrai, ça devrait le faire.
Est-ce qu'il y a un moyen là, éventuellement Ah non, hein, du coup, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux non plus. C'est chiant ça. Allez, dans ça. Comme ça, je vais partir par là. Je fais ça pour l'instant, puisque de toute manière ici, ça repartira par là. Hein. Je remets ma porte. C'était là, hein. Ouais, c'était là. Je remets ma porte. Terrain ici, je vais prendre... Non, allez, pardon. Allez, je vais prendre ça. Ça. Comme ça. Et comme ça. Parfait, parfait, parfait. C'est systématiquement. Merci beaucoup, débile, Dylan. Mais c'est toujours inattendu. Qu'est-ce qu'il nous dit, Dylan? Pourquoi tu poses ce genre de questions? Non, c'est pas ça. Pardon. Ça fait juste un peu bizarre, là. Non, mais la route, on s'en fout. Hein. La route, c'est pour l'instant. Quoi. Nia est là. Hein? Quoi? Si tu mets rien, tôt ou tard, t'auras des problèmes. Si je mets rien, c'est-à-dire. Un animal s'est échappé! Non, tout va bien. Tant que je mette play, on ira. Et ce sera bon. Faut que je remette ma zone de travail, du coup. Parce que j'ai enlevé la porte. Probablement, en tout cas. Oui, c'est ça. Tac, et j'en profitais pour prendre ça et ça en même temps. Il va me falloir, je pense, un mécano supplémentaire. Mais vas-y, faut prendre-le. Un mécano supplémentaire. Et je crois que c'est bon, hein. Ah, pardon, il y a là aussi. Je suis bête. Allez. 8. C'est surprenant, quoi. C'est surprenant, c'est pas comme ça que je l'aurais fait. Bon, moi, ce sera comme ça. Ce sera comme ça. S'il y a que ça à retravailler, c'est pas très gênant. Bon, bah voilà. L'enclos capucin est terminé. Il va falloir gérer les haut-parleurs parce qu'il faut que je les retrouve, déjà. Il faut que je les retrouve. Ils sont où les haut-parleurs? Information. Alors, ça n'a pas que du jeu. Ça n'a pas que du jeu, là. Non, ça c'est un arbre. Ici. Ça n'a pas Kajou. Là j'ai une info qui n'est pas bonne apparemment. Ici. Tac. Non, pas ça. Ah non, me dites pas que je peux pas y aller. Ça n'a pas Kajou. Ça n'a pas de joue. Ça n'a pas de joue. Ah non, ça n'a pas de joue. Ils ont des poils sur les joues. Ça n'a pas de joues. Ici. Et du coup, j'ai dû supprimer probablement un haut-parleur. Là. En supprimant des rochers, probablement. Ouais, il devait être dans la neige qui était au bord, là. C'est tout à fait possible. Service. Bon, en vrai, je peux juste... ça.
Ouais, ça, le bout, ça ira, le bout, ça ira. Et du coup, ici, il faut que j'ouvre éventuellement... Oh, pardon. Faut que j'ouvre éventuellement. Même s'il n'y aura pas de visibilité, c'est clair et net. Hein. Il n'y aura pas de visibilité. Mais, bon. Ça en fait toujours une de plus, quoi. Je viens ajouter, du coup... Ça. Et ça. J'ai pas mis de panneau d'éducation. Je vais en mettre un là. Mais ce sera certainement amené à être modifié puisque je vais mettre des magasins encore une fois ici. Alors, c'était déforestation pour eux. Et ici. Il faut mettre banc, poubelle, etc. Mais je ferai le tour. Je ferai le tour la prochaine fois, je pense. Je vais m'arrêter là pour la vidéo YouTube. On est à 1h30 déjà. Je le ferai certainement en off. Ou en tout cas hors vidéo, peut-être en live, mais hors vidéo. Pour ajouter les bancs, les magasins, etc. Histoire de décorer un petit peu ça. Je vais mettre un play vite fait, histoire qu'il fasse plus jour également. Et qu'on puisse... Mais c'est toujours inattendu. Admirer officiellement ces espèces. Je vais appeler un cas d'ailleurs. Alors, le problème, c'est que là, la sortie mène nulle part. Mais bon. Merci beaucoup, Dylan. Avec tous les mecs que tu as eu, tu peux t'acheter un grec. Avec tous les mecs que tu as eu. Salut, Fanny. Ce serait cool de faire ça dans un de tes enclos. Je regarderai après, John. Je regarderai après. En vrai, ça a une certaine allure, hein. J'aime bien, je suis assez content. Je suis assez content. L'eau électricité, c'est fait. Tigre du Bengale, embryon de Yes. Ah, c'est dur de... C'est dur de bouger et de laisser tourner. Enfin, et de tourner, quoi. Bits pas mec. Ah oui. Oui, certainement. J'ai pas fait attention. J'avoue que je sais pas exactement combien vous m'en avez donné. Merci à vous, merci à vous. Bon alors, il y a l'air d'avoir du soleil. Je m'épose. On va se plonger dedans, vivre quelques instants au cœur de l'enclos des Capucins. Au cœur de la jungle, qui n'est pas tout à fait jungle. Hein. Donc, et là, il va y avoir des arbres. Hein. Tout ça, ça va être des arbres. Hein. Ça va être full. C'est l'Amérique centrale. Hein. Amérique centrale, Amérique du Sud. Les Incas, les Mayas, tous les gars comme ça. Hop, on rentre. C'est pas mal en plus avec les petites têtes là. En vrai, c'est quand même plutôt propre. J'avoue que... Le fait qu'ici soit ouvert en plus... Alors, intéressant, c'est les points de fuite. Parce que j'ai pas mis de cailloux là, alors que j'ai ouvert. Non, tu passes pas. Oh là, ça passe pas. Extraordinaire. Extraordinaire. Incroyable. Ils ne peuvent fuir. Du coup, on va avoir des gens qui vont passer là. Et derrière, on aura certainement un semblant de petite montagne. Avec des lamas dedans. Et ça, c'est plutôt cool. Toi, tu pourrais te plonger. Ici c'est beau, j'aime bien ici. Ça fait bien en vrai. Hein. Oh, ça fait bien en vrai. Si t'arrives de l'autre côté. La construction sur le côté, j'ai hésité à la cacher, mais elle rend bien. Elle rend bien, honnêtement. Ouais, moi je suis satisfait. Je suis satisfait. Et du coup, au niveau optimisation et autres alimentaires, c'est vrai que j'ai pas regardé, mais... est-ce qu'on est bon, quoi? Optimisation alimentaire, oui. Habitat, oui. Bah non, c'est optimisation, de toute façon. Oui, c'est ça. On est très très bien. On est très très bien, et je suis à 68%. Il faudrait un peu plus d'arbres, je pense.
Non, parce que la continuité de la jungle, on va dire, va se faire sur l'extérieur de l'enclos. Tu vois, ici, il va y avoir des arbres aussi. Donc, ça va densifier encore l'impression d'être dans la jungle, alors que dans l'enclos en lui-même. Non, ouais, ça va. Je pense que c'est bien. Ouais. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ça va être un de mes enclos préférés, je pense, en vrai. Oh, peut-être pas préféré. Oh, si, peut-être. Hein. Honnêtement, j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. Comment cette montagne se plaît dans la vue? Bon, bref, dans tous les cas, merci beaucoup YouTube d'avoir regardé cette vidéo. Du coup, c'était Roller Viking sur Planète Zoo pour l'Anglo Capucin. On a mis deux vidéos pour la faire. Pour le faire. Et je pense qu'on va prendre ce rythme-là maintenant. Deux vidéos par enclos. J'ai essayé de les faire en une vidéo. Pas que ce soit trop long. Mais en vrai, c'est plus. Enfin, j'ai le temps, moi. Je fais la terraformation, le terrain, puis après, je pose mes arbres. Et ça permet d'avoir un peu plus de temps. Voilà. Et c'est sympa. Et c'est sympa. T'imagines en tant que capucin posé là, là. Hop. Oh, si, c'est cool. Et si tu viens là, là. Tu viens jouer un peu de piano ici. Hop. T'as une vue sur un rien. Ça, c'est quand même sympa. Si, avec la montagne là-bas dans le fond. Ah, oh, si, si, non, si, franchement. Oh, je suis satisfait. Ah, attends, la question c'est est-ce que l'arbre que j'ai posé leur permet d'accéder? Ah, c'est vrai qu'on les voit pas par contre. Hein. Leur permet d'accéder. Je pense pas. Ici. Ah, ils accèdent. Tu vois, c'était pas le cas là. Mais C'est grâce à ça, ils peuvent systématiquement monter là. débile, Mais ils accèdent toujours mais pas c'est ici. toujours inattendu. Ils arrivent pas. Là, quand ils sont arrivés là, ils arrivent pas à poser, à tendre le bras pour aller plus haut, quoi. Merci beaucoup, Dylan. T'es pas obligé de me répondre, mais tu gagnes comment ta vie? Bah, YouTube, Twitch. Et toi, apparemment, puisque t'es en train de me financer. Workshop? Vous voulez sur le workshop? Il est beau, tu as bien travaillé. Merci beaucoup, comme ça. Je vous le mets sur le workshop. Du coup, YouTube, vous savez, c'est sur le workshop. Ce sera enclos capucin, Sapajou, je sais pas quoi là. Sapajou capucin. Et si vous le cherchez, il y sera. Il y sera. Puisque il y a de l'avance. Il y a de l'avance, il y a de l'avance. Sur les vidéos. Bref, ciao ciao, merci à Twitch d'avoir été présent. Merci à Dylan, Martin, Guardian Blade, Prince, Crow, Dylan, Valoris, John, Amy, etc. etc. Bisous tout le monde. Bonne journée à vous! Et à la prochaine pour l'enclos probablement. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense pas que je vais partir sur l'enclos là-bas. Parce que je veux pas agrandir là tout de suite. Je pense que je vais venir fermer là. Donc je vais peut-être amener d'où l'enclos d'ici là. Je vais peut-être les amener là. Je pense. Comme ça permettra de fermer la zone ici. Et ça me permettra de faire l'entrée officielle. Limite qui viendra rejoindre ça. Et ouais, parce que je vais faire ça. Si jamais. Bon, tout le monde est parti déjà sur YouTube, mais c'est pas grave. Hein. Pour ceux qui ont pris le temps de rester ou qui se sont endormis et ils se réveillent à ce moment-là, bah boum. Vous le savez. J'ai l'intention de mettre des murs. Ah, et pas n'importe quel mur. Je sais plus si je l'avais dit en vidéo. Mais c'est toujours inattendu. Tac. Je vais mettre des trucs comme ça. Tout le long. Alors, il faudra voir. Ce sera peut-être pas forcément cela, mais. Ça a l'air d'être les seuls. Mais je vais mettre des trucs comme ça tout le long, histoire qu'on ait l'impression d'entrer dans le Machu Picchu, quoi. Donc tout le long, ce sera un mur comme ça. En même temps, j'ai dit qu'ici, je mettrais la muraille de Chine, je l'ai jamais fait. Hein? Mais l'idée est là. L'idée est là, donc c'est pas mal. Merci beaucoup, Dylan. Troisième vidéo ou pas, je garde le reste pour ce soir. Merci beaucoup, ciao ciao YouTube. Et à la prochaine, hey, ciao.